Cette femme devait adopter deux enfants haïtiens. L'un est décédé faute de soins. Et aujourd'hui, elle se bat pour que le second soit rapatrié au plus vite. Mais les choses sont très compliquées au point de vue administratif. Le problème, c'est que les papiers sont sous les décombres. Chaque directrice de crèche est capable de dire tel enfant, il a été attribué à telle famille en France. Et c'est ce qu'elle demande, c'est que ses enfants soient sauvés et soient rendus à leur famille en France. D'après ces familles, le gouvernement français est frileux pour accélérer la procédure, craignant d'être accusé de vol d'enfants. Mais les choses pressent. Ces bouteilles d'eau sale symbolisant l'état sanitaire du pays, au grand désarroi de ce couple qui attend cette petite fille de 7 ans et demi. Nous sommes allés la voir il y a un mois et demi. Donc, vous le voyez, elle est en pleine forme avec nous. Aujourd'hui, elle n'a plus d'eau, elle n'a plus de nourriture. L'aide humanitaire n'est pas passée. Nous avons eu la directrice ce matin par SMS qui nous a dit de bien relayer l'information. L'aide humanitaire n'est pas passée, nos enfants n'ont plus d'eau, n'ont plus de nourriture. Cette petite fille a eu plus de chance, elle est arrivée en France il y a 4 mois.